je suis Crafton7 et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tutoriel dans laquelle je vais vous montrer comment faire une petite grande roue. Ça ne se dit pas trop mais je le dis quand même. Donc une petite grande roue à 8 nacelles. Donc, hop, il me manque une couleur, c'est un fail dès le début. Alors qu'est-ce que j'ai pas mis? Ah oui voilà, je voulais mettre sur. Voilà. Donc voilà les couleurs dont vous aurez besoin. Enfin, vous pouvez mettre dans les couleurs que vous voulez, mais moi, perso, je vais utiliser les couleurs que j'aime bien, qui sont vives et qui ne sont pas trop mauvaises à regarder. Donc, on va commencer par prendre les blocs pour la roue, et cela, ce sera pour ceux de la pour les nacelles. Vous voyez, il y en a plus pour les nacelles, mais c'est parce qu'il y a plein de couleurs. Mais normalement, il n'y en a que 5, donc même s'il y a voulu qu'une seule couleur par nacelle, bref. Ouais, ce qu'on va faire, deux couleurs par nacelle. On va faire un truc qu'on fait pour toutes les teams, du bleu et du rouge. Et moi je mets du cyan parce que j'aime bien. Et du blanc aussi parce que faut que ça fasse un minimum d'étoiles dans mon couleur. Donc vous commencez par faire. Alors je regarde mes notes. Alors vous faites 1, 2, 3 escalier, 1, 2, escalier, 1, 2, 3, escalier, ensuite c'est 1, 2, escalier, 1, 2, escalier, et ensuite c'est 1, 2, 3, 4, escalier, 1, escalier, 1, escalier. Ensuite, on va continuer en mettant l'autre côté. Donc hop, 1, 4, hop. J'avais noté pour le premier pour pouvoir me souvenir des. Parce que je me souviens un peu par cœur pas tout le temps qu'est-ce que c'est le premier. Donc c'est bien. Ne vous inquiétez pas, c'est bien ça, mais c'est que j'avais calculé exprès pour que ça arrive à. Que la nacelle du bas arrive exprès à un bloc du sol pour qu'on puisse. Faire une roue où on peut monter dans la nacelle du bas. On peut pas monter dans toutes les nacelles bien sûr, mais on peut monter dans celle du bas. Hop, ah j'ai des tirages. Hop, voilà. Ma souris bug un peu. Ensuite vous mettez des petits escaliers comme ceci. Hop, vous mettez un bloc ici. Vous mettez des escaliers retournés ici, 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 ici. Vous voyez, donc déjà ça fait ça. Voilà, donc ça ce sera le pied de la grande roue. Ensuite, il en faut un autre. Donc, en l'espace de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et au 8e, au 9e bloc. Ah, c'est bien ça. Hop, ici, et ouais, c'est là. Hop, 1, 2, 3. Hop, 1, 2, 3. Hop. 1, 2. Vous refaites pareil. Hein. Ensuite, on va continuer, on va faire tout ça, hop, on finit les pieds. Voilà. C'était ça, ouais. Ah, hop. Pardon si j'ai gueulé, hein, c'est juste que voilà. Ensuite, on continue comme ceci avec nos trucs. Nos escaliers, pardon. Donc, je suis un peu à l'ouest là parce que j'ai oublié de préciser au début que c'était des blocs de quartz. Mais bon, vous l'avez bien vu dans mon inventaire. Hein. Pour ceux qui se demandent, c'est marqué, hop, je me. Escalier en quartz, bloc en quartz. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'il vous faudra pour les pieds. Ensuite, je ne sais plus si c'est le bloc du haut ou le bloc du bas. Donc je vais faire une petite ellipse et je reviens. Voilà donc donc j'ai bien vérifié, c'est celui du haut. Donc vous allez mettre du quartz ici. Hop. Ensuite. Pardon.
vous allez prendre des blocs de fer et monter. Enfin, si vous avez, voulez pas de fer, si ça vous coûte trop, mais bon, je pense que vous le faites en créatif. Mais si ça vous coûte trop de faire du fer, vous prenez du quartz. Et il y a de la diorite, c'est très bien aussi, c'est bon, c'est bien. Donc vous montez de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ici. Vous descendez de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Vous montez 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous allez à droite, tu l'as. 7, 8, 9, 10. Et ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, vous faites pareil de ce côté-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce que vous pouvez faire, c'est, hop, pas le plus vite. Vous faites ceci. Voilà, donc, pardon, cette coupure momentanée. Donc, c'est juste que j'ai été coupé. Parce que j'ai mon téléphone sonné, en fait. Donc, là, c'est hop, le convoque. Voilà, ça. Ensuite, là, c'est là, voilà. Donc, j'ai une petite technique, hein, pour pouvoir les faire plus rapidement, pour savoir où m'arrêter sans les compter. Hop. Et voilà. Maintenant, normalement, vous avez deux croix. Deux croix parallèles. Exactement. Non. Non, mais sérieusement. Ça ressuit là. Hop. Voilà. Normalement, là, vous avez deux croix totalement parallèles. Je vérifie qu'il y en a un autre qui m'a joué des tours. C'est bon. Donc, vous allez faire, à partir de tous ces morceaux, 2, 3, 2. Vous faites pareil dans le sens inverse. 2, 3, 2. Et ça vous fait un quart de cercle. Ça vous fait un truc bien. Vous faites ça pour les 8 morceaux, pour les 8 côtés, et on se retrouve tous les après. Voilà, donc là ça commence à avoir une bonne gueule. Donc là du coup, on a notre machine qui est possiblement décorable. Donc maintenant, il nous faut placer les nacelles. Pour cela, nous allons placer des blocs de diorite ici. Un bloc de fer. Ici. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'il fallait poser des blocs de fer ici. Donc vous en posez au coin des deux. Quand il y a les deux. Au coin. Là où les deux se touchent. Ensuite, vous allez mettre hop, comme ça de la diorite sur tous les endroits. De la diorite normale, pas polie. Parce que polie, ça fait des traits. Et du coup, c'est pas joli. Hop. Ah, j'en ai oublié un. Donc là on a combien? Hop. Hop. Petit bébé aussi. Hop. On fait celui-là. Et normalement c'est prévu pour que. Normalement, j'ai calculé pour que ça. Pour que quand on met une nacelle, et bien ça ne touche en aucun cas les autres. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, il nous faut maintenant placer des petites barres qu'il y a en diagonale. Donc celle-là, on va utiliser du bloc de fer. Donc hop, vous faites ceci. Ouais. Ah non. Hop, comme ça. Ah, comme ça. Hop, voilà. Et ensuite, vous faites ça sur les quatre côtés. Donc j'ai sur les quatre coins, sur les 8 endroits. Donc je vais vous laisser faire et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc les amis, j'ai fait les 4 endroits, voilà. Donc je pense que c'est bon, hein, j'essaie de ne pas me louper. Donc voilà, donc là c'est bon. Ensuite, vous n'aurez plus besoin de tout cela. Et puis si on en a besoin, on va faire ça. Maintenant, nous allons prendre ensemble ces objets-là. Hop, pas ça. Non, mais, ah! Décidément, le bloc de dirt, il va vraiment faire son entrée
dans ma vidéo. Hop, vous prenez vos couleurs, mais... Ah, nom d'une pipe. Ensuite, vous êtes... Ensuite, bon, commencez par faire ça. Voilà. Et c'est parallèle. Bien... Enfin, symétrique. Voilà. Donc deux de ce côté-là, deux de ce côté-là. Et ce sera pareil pour tous. Vous commencez comme ça. Ensuite, vous en mettez deux là. Et deux de l'autre côté. Bon, on va faire ça. Donc celui-là, ce sera une rouge. Vous mettez comme ceci. Hop. Et voilà. Ensuite, vous allez mettre... Alors, l'entrée, on va dire que ce sera dans ce sens-là. Donc, on va mettre des barrières ici. Vous mettez 8 barrières comme ceci. 8 barrières de pierre. Ensuite, vous couvrez le dessus. Hop, ceci. Comme cela. Vous faites ça. Et j'ai oublié de dire qu'il faut... j'ai oublié de mettre du quartz. Parce qu'il me faudra du quartz pour ça. Ah, mais on va dire comment ça chauffe. On entend, peut-être. Je sais pas. J'arrive pas à vider en vidéo. Donc, vous mettez une plateforme de quartz comme ceci. Deux escaliers ici et une petite portée en partie partiment ici, et ça fait une petite nacelle. Et vous refaites ça sur tous, comme je vais le faire avec vous cette fois, parce que voilà, il n'y a plus de respect. Ouais, donc je vous conseille de faire comme ça, ça va plus vite si vous tournez comme ça, parce que sinon vous devez faire un peu comme moi, je me suis fait chier à faire ça. Donc ouais, c'est ça, c'est dur de faire ça. Enfin, c'est chiant de faire ça parce que c'est pas pratique de faire ça parce que il faut faire un bloc sur deux. Ouais. Ensuite, donc on avait dit que le sens c'était là. Donc hop. Assez gavant. Hop, désolé si je parle pas beaucoup, c'est que j'ai rien à dire. Enfin, rien d'intéressant en tout cas. C'est pour ça qu'il faut de la culture. Pour avoir de la culture, pour pouvoir avoir quelque chose d'intéressant à dire, allez à l'école et n'écoutez pas tous ces abrutis, enfin, toutes ces personnes qui disent sur YouTube, ouais, l'école c'est de la merde, faut pas y aller, allez-y pas, moi je vous conseille pas. Hein. Tous ceux qui font ça, sérieusement, en plus ceux qui appellent ça mon premier podcast, sérieusement, c'est pas vraiment le mieux à faire pour s'intégrer. Je sais pas, moi. Je dis ça, je dis rien. En perso, je me suis bien intégré, je pense, mais c'est grâce à vous. À vous. À vous. Et grâce à cette magnifique commande qui est le thème cette day. Je propose qu'à partir de maintenant, pour mes vidéos, pardon, j'ai la voix enrouée. Je propose que maintenant, à partir de maintenant dans mes vidéos, je fasse en sorte qu'il y ait un commande. Enfin, je mette un command block qui met automatiquement le jour pour que le jour soit toujours dans mes vidéos. Parce que moi j'ai horreur de la nuit. Donc si vous voulez que le jour soit inscrit toujours dans mes vidéos, enfin quand je suis en solo tout le monde, mais je vous aurais remarqué que dans SimCity version Minecraft, je le fais. Enfin, peut-être pas dans le quatrième épisode, mais dans le cinquième épisode que j'ai tourné tout à l'heure, je le fais. D'ailleurs il sera posté juste après cette vidéo. Donc on a fait celui-là, maintenant c'est un bleu qu'il me faut. Hop. Vous voyez, c'est pas trop long à faire, hein. c'est une grande roue petite. Parce qu'il y a des gens qui font des grandes roues de psychopathes, donc je les envie pas, vu comment ils ont dû se faire chier. Hop. Hop. Là, par contre, c'est un peu chiant, c'est un peu délicat cette partie-là. J'ai cru que j'avais oublié de mettre des barrières en haut. Enfin des barrières en haut. Donc oui, donc c'est fait en sorte que les barrières, c'est fait pour pas que. Pour quand vous arrivez là-dessus, et ben, enfin pour quand vous irez là-dessus, que vous ne tombiez pas.
Alors, on va compter ensemble. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 blocs. Et là, 1, 2, 3, 4 blocs. Et voilà, c'est pile poil assez pour tomber en bas. Enfin, je pense. Je sais pas, on va compter. Je dis que j'ai pas compté alors que je viens de compter. Ça va bien. Ça va très bien. En fait, je parlais de SimCity version Minecraft tout à l'heure, mais si ça vous intéresse plus que cette vidéo, n'hésitez pas à y aller. Mais bon, cette vidéo est un peu, pas terrible parce que je parle pas beaucoup, mais c'est parce que, voilà quoi, j'ai... Je me sens pas très bien. Ouais, on va dire ça comme ça. Et voilà. Et là, vous remarquez que j'arrive pile poil à un bloc du bas. C'est calculé pour... Hein. J'avais bien calculé ça quand je l'ai fait pour la première fois. Oh, il l'a fait pour la première fois. Oui, parce que je l'ai déjà fait une fois. Oui. Oui, parce que je l'ai déjà fait une fois. En fait, j'étais en train de construire une petite reine et je cherchais un moyen de faire une grande roue. D'ailleurs, quand la fête foraine sera finie, je ferai une vidéo là-dessus. Ne l'attendez pas parce que elle va durer peut-être dans 2 semaines, elle sortira. Donc, l'attendez pas trop cette vidéo. Ah oui, pour maintenant cette semaine-là. Donc là, on est la semaine. Là, on est le week-end du 16 et du 17. Donc la semaine prochaine, je ne pourrai pas faire de vidéo pendant la semaine, comme cette semaine-ci. Donc, je ferai des vidéos. Les vidéos le week-end prochain, voilà. Et après la semaine d'après je serai là pour une semaine, et après ça repartira, je pourrais plus être là pendant 3 semaines, mais je serai là le week-end, ouais. Voilà, donc c'est fini le point c'est ma vie. Donc maintenant on va passer au point c'est ma vie 2. Parce que voilà, j'ai pas l'intérêt de faire des trucs comme ça. Enfin, je sais même pas de quoi je parle. Je sais même pas de quoi je parle en fait. C'est juste pour le divertissement. Parce que là, sérieusement, hein, parce que là, sérieusement, il n'y a pas grand chose à dire pour moi. Bah, c'est des nacelles quoi. J'en ai déjà montré pour une, je peux montrer pour eux, mais j'ai pas montré pour les autres. Alors là, vous mettez des piliers. Je ne sais plus, c'est par là. Est-ce que je les ai tous mis? Non, je ne les ai pas tous mis dans le même sens. Donc je ferai ça à la fin de la vidéo. Donc hop, hop, on fait ça. Hop, 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 et voilà. Hop, ensuite on fait ceci, voilà. Ensuite vous mettez le petit portillon ici et vous en refaites une autre. Je pense que la partie la plus longue c'est de faire les nacelles parce que c'est répétitif, c'est un peu chiant, mais une fois qu'on l'a fait, ben, on a la grande roue et du coup c'est pas mal. Donc la grande roue est un bon résultat. C'est un... qu'est-ce que je raconte, ça va donner un bon résultat. Donc c'est un chef-d'œuvre de ma part. Et je précise, pour celui qui m'a dit il y a pas longtemps, quand je fais un partage d'écran de ma foire, il m'a dit tu déconnes, c'est une map que tu as téléchargée. Et je lui ai dit mais non, regarde, il y a mon chien. Et non mais cherchez pas, hein, ça, c'est... Si vous comprenez pas la blague, vous comprendrez quand vous regarderez la vidéo de la foire. Hein. Mais comme je sais que vous êtes des impatients, comme je sais que vous êtes un peu impatients, je vais vous demander de m'écouter. Parce que, comme je sais que vous êtes des impatients, vous allez me demander qu'est-ce que c'est cette histoire de chien, et je vous répondrai pas, parce que j'aurai la flemme. Donc je vous raconte tout de suite. En fait, dans ma foire, elle s'appelle Elton Land, en dédicace à mon chien, qui s'appelle Elton, qui est un golden retriever et que j'ai symbolisé et que j'ai fait la principale attraction du parc, qui est une magnifique statue de golden retriever. Oui, c'est un golden retriever, il est jaune et en laine jaune, et en fait l'attraction consiste à visiter l'intérieur et à aller à l'intérieur et à visiter
corps du chien. Éviter le corps du chien. C'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc voilà. Je ne vous dirai pas que je commence, que je rentre dans la bouche et que je sors par la... la gorge. Non. La... Bon, je vais le dire. Mais voilà, c'est pas glorieux. Je sors par l'anus. Voilà. C'est mon idée. Oui, on sait que c'est mon idée quand même. Ça se voit. Si seulement ça avait été quelqu'un d'autre qui l'avait dit. Bon, bref, on s'en fout. Donc là, pour faire un petit truc encore, vous mettez hop, ceci. Hop, hop. Hop, hop. Ensuite, une petite trappe d'or. Une petite barrière ici. Et ensuite, ça vous fait une... Ensuite, ça vous fait une petite embarcation. Et si vous êtes courageux, vous pouvez même mettre des commandes blocs. Comme quoi, le qui font que le joueur est téléporté dans les nacelles au fur et à mesure. Et en fait, vous mettez par exemple 5 secondes entre chaque nacelle et du coup, ben, ça fait un... Ça met un... Le command block est tout. Enfin, il fait en sorte que le joueur soit TP dans les nacelles, pas aléatoirement, mais successivement. C'est-à-dire que d'abord dans la rouge du début, ensuite dans la bleue, ensuite dans la rouge, ensuite dans la bleue, ensuite dans la rouge, ensuite dans la bleue, ensuite dans la rouge, ensuite dans la bleue, et ensuite il revient. Et comme ça, après ça s'arrête, et du coup, ben, ça pourrait faire un truc pas mal. Moi, j'ai pas pris le temps de faire ça parce que c'était juste pour la déco, mais si vous voulez faire un parquet, vous avez le poids, ben, faites ça. Hein, ça pourrait être sympa. Sur ce, je casse ça et on se dit à la prochaine. Bye et à la prochaine. Tchou.